mot cohabitation pour moi reste très court. Parce que nous cohabitons, nous sommes ici dans le même pays, dans le même, la même ville. Et on parle aussi de tolérance. Pour moi, c'est trop peu. Je ne veux pas être toléré. Je voudrais être accepté, je voudrais être estimé, apprécié. Comme moi-même, je ne veux pas tolérer les musulmans, mais les apprécier. C'est-à-dire, je pense que nous devons commencer à utiliser le mot fraternité, le mot rencontre, le mot dialogue. Et je pense que si cette visite aide à beaucoup de Marocains et à tous les chrétiens à ouvrir la tête pour voir l'importance qu'il y a dans cet objectif d'être tous frères, d'être tous la même famille humaine, ça sera un fruit magnifique de cette visite du pape. Grandir dans la communion, grandir dans la fraternité, faire tellement que nous soyons un seul peuple, la famille de Dieu. C'est ça le fruit que j'attends de la visite. On a vraiment choisi ce mot-là, un serviteur de l'espérance. Et l'espérance du peuple marocain, l'espérance des personnes d'Al-Hosema, comme l'espérance des diplômés chômeurs, mais aussi l'espérance de ceux qui inventent le Maroc de demain avec un génie magnifique. Et quel rôle elle doit jouer dans la promotion du vivre ensemble? D'abord, le fait que le Saint-Père veuille voir tant de composantes différentes de la société Maroc, des personnes qui vivent au Maroc. Le pape François, Jean-Paul, il avait concentré sa visite sur les jeunes. C'est très important, les jeunes. On va me dire le contraire. Mais le pape François, il a rencontré d'autres personnes. Il souhaite vraiment rencontrer la diversité des personnes, parce que justement, promouvoir un vivre ensemble entre tout cela. Et ça, je crois que c'est important, y compris entre toutes les communautés croyantes qui sont là. Ça n'avait pas pu se faire lors de la visite de Jean-Paul II, qui était trop courte, qui était qu'une escale au retour d'Afrique. Là, il a pris le temps de cela. C'est nous qui avons... C'est l'Église au Maroc qui a dit « Vous pouvez pas... Le Saint-Père ne peut pas venir au Maroc sans rencontrer aussi les protestants, les orthodoxes, etc. » Ça se fait. Il ne peut pas venir au Maroc sans rencontrer l'Institut de formation Mohamed VI. Ça se fait. Et ça, j'en suis très heureux.